Bonjour et bienvenue à la Minute Technique Solide Expert. Mon nom est Daniel Nau et aujourd'hui, je vais vous montrer comment afficher les gabarits de tôlerie dans les mises en plan. Assurez-vous d'avoir votre pièce et sa mise en plan du verbe dans SolidWorks. Par la suite, créez ou ouvrez votre table de gabarits. N'oubliez pas que si vous décrivez différents gabarits dans la table, ces derniers doivent être énumérés en ordre croissant au niveau de l'épaisseur, c'est-à-dire de la plus petite épaisseur à la plus grande. Par la suite, vous allez créer un fichier texte pour les équations. Nous allons utiliser la variable globale gabarit numéro qui sera réglée selon l'épaisseur à une certaine valeur. Les termes utilisés dans l'équation vont être IIF et LIKE. Une fois que les fichiers sont complétés, fermez ces derniers, retournez dans SolidWorks, éditez votre fonction de tôlerie. Utilisez votre table de gabarit, sélectionnez l'épaisseur et le rayon de pliage désiré. Une fois que la table sera introduite dans SolidWorks, vous allez utiliser le bouton droit de votre souris sur le dossier Équations et sélectionner Gestion des équations. Cliquez sur le bouton Importer, sélectionnez le fichier texte contenant votre équation. N'oubliez pas de décocher « Lié au fichier » et cliquez sur « Import ». Comme vous pouvez le voir, la variable globale épaisseur est réglée à 0.0359. Notre équation a trouvé une valeur identique, donc elle règle la variable globale gabarit numéro à 20. Cliquez sur « OK ». Maintenant, vous allez éditer les propriétés du fichier. Créer une propriété qui a un nom différent de la variable globale et sélectionner tout simplement dans la valeur la variable globale. Cliquez sur OK. Par la suite, allez dans la mise en plan, créez une annotation et allez à la fin de votre annotation et utilisez le bouton lié à la propriété. Sélectionnez le modèle trouvé ici, dans la vue de mise en plan spécifiée. Par la suite, le nom de la propriété sera gabarit. Cliquez sur OK. Et voilà, le travail est terminé. Si vous retournez dans votre pièce et vous changez en éditant la fonction tôlerie l'épaisseur, gabarit 10, avec un rayon de pliage différent. Cliquez sur OK. Votre pièce est modifiée selon la table de gabarit. Et par la suite, la mise en plan affichera le nouveau gabarit. Espérant que ces informations vous seront utiles dans votre travail au quotidien. Merci et bonne journée.